Salut à tous et à toutes, c'est French and Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un tout nouveau jeu. On va se retrouver, enfin un tout nouveau jeu, un jeu que je vais vous présenter. C'est sur Paragon en fait. Enfin, c'est un jeu qui est dans le Play Store en fait, comme je joue sur PS4. C'est un jeu qui est gratuit dans le Play Store et il est sorti, si je dis pas de conneries, il est sorti en juillet. Donc là en fait, vous allez voir, en fait, voilà, je suis niveau 5. Parce qu'en fait, j'ai dû faire quelques parties parce que on peut pas jouer, enfin, on peut pas jouer dans ce mode en fait. J'ai dû jouer en solo contre l'IA et en coop contre l'IA. Donc ça, c'est vous avec des bots contre des bots. Ça, c'est vous avec des, on va dire, des vraies personnes contre des bots. Et ça, c'est vous avec des vraies personnes contre des vraies personnes. En gros, ce jeu, c'est quoi? C'est un style de League of Legends ou de Valkyrie. Je sais pas si vous connaissez, enfin. Moi j'ai un petit peu joué à Valkyrie et voilà en fait, j'ai jamais joué à League of Legends et voilà en fait, enfin voilà, c'est juste pour représenter le jeu. Donc on va y jouer ensemble maintenant. Donc déjà faut trouver du monde. Donc j'ai fait 3 parties, ouais j'ai joué une 2 heures grand max. Et voilà en fait, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce jeu, donc si je me fais vraiment déglinguer, c'est pas de ma faute. Donc voilà. Ok, donc là moi je suis prêt mon pote. Ah, enfin j'ai testé deux personnages, c'est tout. Et moi je prends celui-là. Il est archi simple. Non, on va se mettre comme ça. Là. Et dans le rôle, moi je me mets combattant direct. Après vous pouvez choisir votre position ou votre rôle en fait. Vous allez voir, il y a tank, assistance, ranger, c'est tout. Donc moi je me mets combattant. Sur les dégâts au corps à corps, comme je suis un enfin, mon personnage est spécialisé dans le corps à corps on va dire. Et là en fait c'est les positions, c'est où est-ce que vous voulez être placé dans l'attaque en fait, enfin où est-ce, si vous voulez être tout devant, si vous voulez être à gauche en fait. Ça c'est juste une préférence, vous n'êtes pas obligé d'aller tout devant ou juste à gauche, voilà en fait c'est juste une préférence. Donc, moi je prends celui-là. Ouais, et donc ça en fait c'est mes attaques en fait, c'est les touches pour les attaques. En fait R2, enfin voilà, vous allez voir, je choisis en dernier, enfin avant dernier. Alors j'ai choisi Greystone, donc c'est un, en gros, enfin du peu que j'ai vu, c'est un combattant à l'épée, au bouclier, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc là on va mettre toute voix. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc là en fait ça fait comme du League of Legends en fait. Il y a des tourelles et il faut aller détruire l'espèce de rubis dans l'équipe adverse. Il y a aussi des sbires. C'est, enfin voilà quoi. Il y a des niveaux, après il faut acheter des cartes pour avoir plus d'attaque ou plus de vitesse, plus de vie. En fait voilà, on va dire c'est un copier-coller de League of Legends. Par contre là, ce qui est bien on va dire dessus. Attendez, je vais vous montrer dès que la partie elle va se lancer. Ok, 50%. En fait, voilà, en fait. Oh merde, ça a mis du temps à charger. Donc là, il y a la carte à droite, comme vous le voyez. En fait, voilà. Oups. Oh, il veut pas aller pour l'instant. Bon, on va attendre 5 secondes. Donc là, on peut chatter à gauche. En fait, ouais. Comme vous voyez, en fait. Vous voyez le tableau des scores. En gros, vous voyez, il y a écrit PC et après il y en a qui c'est, il y a des trous en fait. Comme vous voyez sur mon nom, il y a un trou en fait. Il n'y a pas écrit PC. Ça veut dire que ça, je suis sur PS4. Donc ça veut dire qu'on peut jouer avec ceux qui sont sur PC et ceux qui sont sur PS4. Et ça, c'est cool. J'ai oublié d'acheter une carte. Faut que j'achète un pack de cartes. Si je dis pas de conneries, voilà. J'achète un pack de cartes. Et donc voilà en fait, moi je vous conseille plutôt d'acheter, enfin voilà, là vous avez votre niveau en fait, en gros que vous pouvez acheter. Et en fait ça c'est le nombre, enfin c'est le coût que ça fait, ce que ça vaut en fait. Donc achetez déjà tout de suite la vie et le truc des manas. C'est honnêtement, c'est ce que je ferais de base. Enfin c'est ce que je fais directement en fait. Vous voyez, je suis niveau 3 à gauche et j'ai une puissance inutilisée en fait. C'est-à-dire qu'il me reste en sorte, on va dire, un jeton. Bon allez, on va aller se donner à fond. Allez les gars, on y va à l'attaque! Donc là vous voyez, c'est nos petites tourelles et tout. Par contre les graphismes sont archi bien faits. Enfin moi je trouve en fait, parce que je suis pas habitué à ce genre de jeu, mais je trouve que c'est quand même bien fait. Alors là, ils sont, en fait voilà, ils tapent ce genre de personnes pour gagner du niveau.
D'accord. Donc, je suis toujours niveau 1. Et si je dis pas de conneries, je peux monter jusqu'au niveau 15 maximum. Donc au début, je pense qu'il faut... Non, je vais pas m'attaquer à eux parce que je vais me faire défoncer. Je suis que niveau 1. On va attaquer les sbires au début. Les sbires, ils sont puissants au début, hein. Okay. Donc là, en fait, vous voyez, c'est une tourelle, en fait. En gros, là, faut le cristaux, faut le déglinguer. Et en fait, ça nous tire dessus tant que... En fait, vous voyez là, l'anneau là, en fait, faut pas rentrer dedans. Tant que le cristaux, il est pas défoncé au milieu, et ben en fait, la tourelle elle va continuer à tirer dessus, en fait. Donc là, je vais bien les défoncer. Putain, je tape dans le vide. Ok. On va taper le cristaux même si on a... En fait vous voyez là le cristaux il me vise et waouh, tous les dégâts qu'il me fait, en fait il me fait archi des dégâts. Même si vous souhaitez pour esquiver, vous en prenez plein la gueule. Donc là je vais reprendre un peu de vie. Je vais les défoncer. Oh là les gars, on les défonce. Là en fait vous voyez les petites boules rouges, en fait. Oh putain, c'est pour gagner des puissances, en fait. Après pour acheter des cartes, des choses comme ça. J'ai peu joué à ce jeu, mais honnêtement je trouve ça archi kiffant. Il est drôle, enfin c'est pas que c'est drôle, mais en fait ça fait passer le temps, ça change. Ça change des Call of et des jeux de guerre, en fait. Bon, c'est un League of Legends. Il est sorti à un moment, mais il est stylé, ça. J'ai mon pote qui est mort. J'arrive pas à le tuer lui ou quoi? Là je passe niveau 2. Les sbires ils sont chauds au début, hein. Je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer, je vais me faire défoncer. Ah voilà, je me suis fait défoncer, en fait. Voilà, je me suis fait défoncer. Donc là, c'est le nombre de personnes qu'on tue, le nombre de fois qu'on est mort, les assistances. Ça, c'est les sbires qu'on tue, et ça, c'est les cartes, en fait. En gros, l'argent qu'on utilise. Et ça, c'est notre niveau, en fait. Là, vous voyez, j'ai 4 puissances à utiliser, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter ça. Ça rajoute 6,5 de dégâts en plus et de la vitesse. C'est cool. Et donc après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les améliorer. Donc il y a un coup, 3, 2, 2. Voilà, donc là, ça sert à rien. Parce que j'ai déjà fait un petit peu le tour. On y va. Donc là, en fait, je peux débloquer des techniques ou les améliorer après au bout d'un moment. Bon alors, on y va. Alors, les parties, elles durent archi longtemps, dans les 30. 40 minutes, en fait. Elle dure très longtemps. C'est comme dans League of Legends, en fait. C'est un jeu qui dure longtemps. Enfin, une partie qui dure longtemps. Là, je vais me faire encore des... Je vais essayer de l'aider parce que je suis pas un connard. Je suis parti l'aider. Je suis parti aider mon collègue. T'inquiète même pas, mon pote, on va tous les défoncer. Ça, faut les ramasser comme ça. Hop là. Je augmente vite. Mes points jaunes là, espèce de barre jaune là. Ça, je te le défonce. Je fais très peu de dégâts au début, en fait. Après vous allez voir. Ça va être vite. Je pense faire quelques vidéos dessus. Parce qu'en fait, j'aime bien, en fait, ce style de jeu, en fait. Ça change. Je sais pas comment on appelle cette sorte de jeu, un MOAB ou un truc comme ça, je sais pas quoi. En fait. Ouais, MMO ou MMOR, je sais pas quoi là. Bref, je me connais pas trop, moi. Mais je trouve ça kiffant comme jeu. Donc, qu'est-ce qu'on va aller un petit peu vers la droite? En fait, les graphismes, ils sont vraiment bien faits, en fait. Donc là, en gros, après, ça va être des trucs qu'on peut récolter de l'or pour notre équipe. Patati patata, c'est... Ouais, bon. Donc là, il y a un mec avec sa tourelle. En fait, voilà, sa technique, c'est il se replie. Il se replie pour que, voilà, on se fasse viser par le sniper et qu'on se fasse défoncer plus vite. Mais voilà, il s'est fait niquer avant. Donc là, vous voyez, j'ai fait une assistance en haut à gauche. Là, je vais défoncer cela pour gagner l'expérience. Ça va être un peu difficile au début parce que je suis que niveau 3. Ils font très peu de dégâts. Et ajouter cela à un ennemi, vous êtes dans la merde, quoi. Je vais les défoncer vite fait, allez. Surtout pour gagner de l'expérience, en fait, qu'on fait ça au début.
Là, je suis passé niveau 4. Et voilà. Surtout pour débloquer mes stats. Alors, où est-ce qu'on va aller? On va aller choper celui-là. Oui, bien sûr. Donc là, je vais me faire défoncer par les sbires. Donc, je préfère pas faire le mec. Au début, attaquer en groupe. Parce que un contre un, après, il y en a un autre qui va arriver. Et puis, ça va être chaud, quoi. Vous allez vous faire défoncer pour rien. Je vais pas les attaquer. On va plutôt chercher de la chair fraîche là-bas, là. Hop, comme ça, on les encercle. Allez, hop. Voilà, on a été chercher qui ? Ben, l'assistance. J'ai fait un kill, une assistance. Ça, ça commence déjà bien. Je peux remonter le niveau. Qu'est-ce que je... Enfin, on va débloquer cette technique. Oh, le mec, il a un perso grave glauque. Et il frappe fort, hein. Il est à niveau 6 en plus. Donc là, celui-là, en fait, regardez, en fait, ça c'est une technique. Vous prenez un perso, enfin, une technique. Vous prenez un perso à distance. Et vous mettez dans votre camp et vous attendez. On va défoncer cela. Ça va prendre un peu d'XP. Je vais me redonner des manas et de la vie. Et donc après, après avoir défoncé, je vais gagner de l'XP. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me téléporter, en fait, dans ma base pour histoire de... Histoire de récupérer tous mes manas et toute ma vie en fait. Parce que j'ai pas envie d'aller au combat avec seulement 260 et quelques. Donc voilà en fait, là je vais... Je vais décaler dans ma base, ça met un certain temps. Si on se fait toucher, bah on peut pas décaler en fait, on peut pas bouger. Donc là vous voyez en fait ma vie remonte archi vite et mes manas aussi. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on a déjà tout débloqué. Donc on va améliorer, ça. On a 7 sur 12... Donc ce qu'on peut faire, soit on améliore, soit on achète. Donc on a déjà acheté ça. On va acheter ça pour les coups critiques. Et on va acheter... Allez, celle-là, on va la mettre là. Voilà, donc on en a... On a plus qu'un truc. On peut rien acheter, voilà. Donc... Donc là, on y va. Vous voyez qu'on a repris aussi nos deux jetons de vie et de mana sur votre gauche. Donc là, on est niveau 6. Vous voyez, stade, bon, ça va, on est dans la moyenne. Bon, on a fait qu'un seul kill. On est bien parti. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ennemis. Oh putain, ils ont pété notre tour, hein. Je vais aller choper celui-là. Parce qu'il m'a l'air d'être assez faible. Il est mort. Il s'est fait défoncer par un autre pote. Lui, il est chaud, lui. Il vient d'être chaud, lui. Abattre, faire les cons, on va reprendre des manas et de la vie. Bon, j'ai plus de collègues à côté de moi. On va s'occuper des sbires. Histoire de choper des XP. Pour nos techniques. Hop, toi je te défonce. Voilà. Donc là on a gagné 140. Donc lui il s'est échappé. On y va. En plus je le trouve stylé comme jeu. Enfin je sais pas, je vous conseille vraiment. Allez sur Play Store, téléchargez-le. Donc là je suis passé niveau 7. Donc là, vous avez, en fait, vous voyez, il n'y a plus la bulle, l'espèce de sphère. Et là non plus, il n'y a plus de, l'espèce de rubis. Et donc, ça veut dire que, bah, en fait, ils ont pété la tour, quoi. Donc, j'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'il y a l'autre qui arrive. J'ai du mal à défoncer. Je vais défoncer les sbires déjà. En fait, on devrait les. On de... Je vais me faire défoncer. Et je me casse, je me casse, je me casse. Ouais, à 5 contre 3, ouais, c'est chaud. Enfin, 5 contre 4, plutôt, c'est chaud. Se faire défoncer, en plus j'ai même plus mes techniques là. Je vais essayer de reprendre. Non, voilà, en fait je vais se faire défoncer. Il s'est fait défoncer. Donc là on va se casser. On va essayer de choper un peu d'XP. Je vais essayer de choper un maximum d'XP pour après, enfin, mettre des coups fatals et tout. Parce que là vous voyez, en fait, je mets que 62 de dégâts. Mais j'ai fait une partie tout à l'heure, je suis monté niveau 15 en fait dans la partie. Et ça tape jusqu'à 175, 190. Quel de dégâts, donc ça fait mal au bout d'un moment. Là, je vais les aider quand même. Ça sert à rien. Lui, on va se le péter. On va se faire péter pour rien. On va se faire défoncer. Hein. Je vous dis tout de suite.
Wow, ils sont nombreux. Non. Oh, ils s'enfuient, le bâtard. Oh, le bâtard, ils s'enfuient sans moi. Vite, vite, vite. On se casse. Je suis mort. Ah non. Là, en fait, c'est une technique spéciale. Donc, faut que je me casse. En fait, quand je meurs. Ok, donc je suis mort. En fait, quand je meurs, en fait, voilà. C'est réforgé, passif. En cas de mort, restez avec 50% de votre santé. Et en fait, je fais une espèce de pointe de choc dans le sol et je leur fais des dégâts. Mais bon, là, ça a pas servi à grand-chose. On a fait très peu de kills. Ça reste prometteur. Ça reste prometteur, c'est un début de partie. Voir ce que ça a donné, est-ce qu'on a un peu amélioré. Donc là, on fait plus de dégâts, plus de dégâts, plus de dégâts. On va aller chercher la vitesse. On va aller chercher la vitesse, ça va être. On va chercher la vitesse, ça c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez que mon équipe elle se fait défoncer. Non, ça va, je pense qu'on. Ah non, on a fait moins de kills qu'eux, on est plus de fois mort qu'eux, donc on va vraiment se faire défoncer, je pense. Donc là, vaut mieux pas. On va essayer d'y aller en force. Je vais défoncer les sbires. Hop là. Donc là, en fait, ils s'enfuient. Donc on va. Ouais, ça sert à rien parce qu'en fait, ils vont se cacher dans leur camp, ils vont attendre leur sbire. Et faire de même. Je vais essayer d'attaquer une tourelle en fait. Par contre, le petit truc chiant, c'est que. En fait, je suis combattant au corps à corps. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi je suis attaqué là-bas? Moi, je suis un ouf. En fait, je suis un combattant au corps à corps et honnêtement, je suis très peu efficace, on va dire, contre les tourelles et tout. Parce qu'en fait, s'il y a personne, ils vont me viser moi en 4 coups, je suis mort. Ça sert à rien d'utiliser une vie juste pour vouloir détruire une tourelle. Il faut vraiment que les sbires ils viennent avec moi dans la zone, qu'il y en a un certain nombre. Et puis qu'on les défonce la toile quoi, c'est plus simple. C'est quoi cette blessure violente là? Et il veut jamais mourir ou quoi? Et mais il est archi puissant. Bon, on l'a défoncé. Hop, là en fait on a gagné un petit bonus. Donc on va améliorer cette technique. Donc on a espéré gagner une espèce de sphère bleue. Donc j'ai pas eu le temps de lire ce que c'était. Je suppose que c'est de la défense. Je suppose. Hein. Je suppute. Donc là, j'ai loupé. Il se retrouve tout seul contre nous. On a une chance. On a une chance. On a une chance. On a une chance. Je vais me faire défoncer. Là, faut que je m'enfuis. Faut que je m'enfuis. Quand vous voyez que. En fait, vous voyez quand on tape pas. En fait, on va plus vite. On marche, on court plus vite. Là, je vais défoncer. Alors, ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Me demandez pas, je sais pas ce que c'est. Donc, là, en fait. Ils sont archi nombreux. Donc, on va essayer de se barrer. Donc, la tourelle est bientôt détruite. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc, là, on va aller dans notre camp, en fait, là-haut. On va se régénérer un peu de santé. Parce que j'ai plus que 359 sur 1400 et ça le fait pas du tout en fait. Donc j'ai 4 de puissance inutilisées. On va les utiliser en même temps. Enfin, on va les prendre en même temps. Donc je vais mettre 19% de dégâts en plus. Donc là je me suis régénéré. On va les défoncer, allez. On est niveau 8. On est un des plus hauts niveaux. Donc on devrait faire. Je pense qu'on devrait faire des kills. Enfin, j'espère. Allez. Là, faut qu'on se donne à fond. Là, faut qu'on fasse péter les barres. La barre des 100 kills. Non, je rigole. En fait, ils jouent grave bien en équipe, en fait. Ouais, à 3 contre 1. Enfin, 3 contre 2, on est mort. Il va pas, mec. Oh, putain, vas-y. J'en ai blessé. Ouais. Je suis monté à 4 assistances. Donc là, on l'attaque à 2. On a plus de chances de le défoncer. Il a pris le kill. Bien joué. C'est pas grave. Je suis monté à 5 assistances. En fait, on fait plutôt des assistances dans cette partie. Donc là, il est tout seul. Il a quand même toute sa vie. Putain, je l'ai loupé encore une fois. Vous voyez comment sa vie, elle dégringole vite fait.
On va essayer de prendre le kill. Ok, il a pris le kill encore une fois. C'est pas grave, on a encore une assistance. On monte de niveau en plus. Démonter le niveau, c'est pas grave. Il a pris le kill, c'est pas grave. On est quand même à 6 assistances. Allez. En fait, c'est comme... Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du League of Legends, quoi. C'est pour ceux qui connaissent. Donc là, en fait, comme je vous ai dit... Oh, putain, j'ai bugué. Ouf. En fait, ça sert à rien, parce que moi, regarde. Faut que je vais jusqu'à là-bas pour détruire. En fait. Donc, je vais me faire éliminer avant que je touche... Oh, avant que je fasse au moins 200-300 de dégâts. Je ferai que 200-300 de dégâts de... au rubis, en fait. Donc, je vais me faire démonter pour rien. Donc, en fait, faut que j'attende que les sbires, ils rentrent sur le terrain. Comme ça, il les prend pour cible, comme vous voyez. Ouf, oh le bâtard, on est sur lui. Oh, donc là on utilise notre petite technique. On se régénère. Donc on va utiliser notre vie. Ah, ça c'est pour nous ça. Ah putain, ils sont trop nombreux. À l'aide! Bon, je me suis fait défoncer. Donc je fais du 1-3. Je fais pas vraiment une partie de fou. Donc là, j'ai oublié d'attendre les 40 secondes. Ouais, parce qu'en fait... Donc là, en fait, plus vous mourrez, en fait, et plus vous allez attendre, en fait, plus vous allez avoir un délai. Donc j'ai déjà joué, en fait, avec ce personnage, avec le machin, mais j'ai pas trop trouvé mon kiff, on va dire. Je préfère le corps à corps, vous voyez. On est obligé d'attendre encore 4 secondes. Comme vous venez de voir, en fait, on est déjà à 18 minutes de jeu, en fait. Donc là, il me reste 4 puissances à utiliser. Donc en fait si j'améliore encore ça, en fait j'arriverai à 10 et en fait voilà, en fait niveau 10 c'est niveau maximum, voilà. Donc on a une carte au niveau maximum, donc il nous manque, on peut encore mettre une carte. Ouais, donc en fait on peut avoir espèce 4 armes, après on peut acheter des mines et tout, mais bon, je vous le conseille pas trop, je préfère avoir une arme qui fait du dégât, enfin avoir plus d'attaque. Qu'acheter une mine parce que enfin voilà quoi, c'est plus rentable on va dire. On va essayer d'esquiver un peu ce qu'ils nous font là. Je me suis mis un peu de vie donc je vais esquiver un petit peu. Ils sont trop nombreux en fait, ils sont tous les quatre là en fait. Tous les quatre là, et à les sbires, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc là on est 3. Putain, j'attends juste de reprendre une petite technique. Allez, je peux l'attaquer ça. Ah putain. 3 contre 2, ça va être chaud quand même. Je vais aller voir là-bas. Si j'y suis. Bon, on fuit un petit peu. Là en fait vous voyez on fait du 110 de dégâts déjà. On a déjà augmenté en fait, on est passé des 80 à 110. Juste en améliorant une carte. Donc on va défoncer celle-là, histoire de prendre un peu plus d'XP. Ouais. On est obligé de passer par là en fait. On est obligé de passer par là. Donc là on passe niveau 10, ça c'est cool. Là, on peut améliorer une attaque. Ce que je voulais faire c'est les prendre à revers, mais ça va être compliqué en fait. Parce qu'ils sont. Ils sont nombreux. Je suis même pas sûr d'être capable de le faire. Oh l'enculé, il m'a esquivé. Un contre un, on peut le faire. Ça, je me suis fait, donc je récupère à fond. Par contre, ce qui est compliqué, c'est de tous les faire là. Le deuxième. Est-ce que le troisième ça va rentrer? Ah oh, putain. J'ai pas eu le troisième. J'ai pas eu le troisième. C'est dommage.
Elle fait une petite doublette là. C'est vraiment dommage, je trouve. Alors, on est encore obligé d'attendre, en fait, c'est ça le plus chiant, en fait. C'est attendre, en fait, c'est ça le truc. Enfin, on meurt. C'est chiant d'attendre, en fait. Je suis pas patient, c'est pour ça, en fait. On est niveau monstre, en fait, on est plus haut niveau quand même de notre équipe, mais bon, on a fait peu de kills. Au niveau des kills, notre équipe adverse, elle nous domine. On est le niveau le plus haut, mais on n'arrive pas à se démerder, en fait, je comprends pas. C'est peut-être parce que j'ai pas beaucoup joué, je sais pas. J'essaie de me sortir les excuses et tout. Donc là, en fait, on a 6 puissances en fait en plus, donc on va s'acheter une nouvelle arme. Alors, dégâts physiques, et ça nous ramène des manas. Donc celle-là, je mets. Donc on va prendre celle-là. On va la mettre là. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener de l'attaque. On va se ramener des points. On va se ramener un peu plus d'attaque. Histoire de pouvoir conclure avec des kills, quoi. Parce que là, on est qu'à 3 kills, on est mort 4 fois, on a fait 6 assistances. On a tué 27 espèces de petits persos là, des espèces de bisbires. Donc là, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc là, ils sont trop nombreux pour moi. Ils sont au même niveau que moi. C'est compliqué, il faut que j'attende. Je vais essayer de faire quelque chose. On va passer par là. Donc une réparation 43 secondes. On va se prendre un peu d'XP là. En fait, vous voyez, hop, je suis passé à 133 de dégâts. Ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure, quoi. Hop là, on gagne un peu plus de dégâts. Enfin, on gagne un peu plus d'XP, quoi. On est déjà niveau 11. On va les prendre à revers. Est-ce que lui, on peut se le faire? On essaye? Vas-y, accroche-toi le main. Donc on va aider nos collègues pour défoncer celui-là. Il a encore pris le kill, bien joué. Donc on va secouer les sbires. Hop, lui a sauté. Si. Bien joué. Alors là, il y en a un. Là, il y a un petit bonhomme là. Ils sont là, ok. Qu'il envoie les sbires d'abord. Comme vous venez de le voir. Il essaie de nous jeter un sort avec son espèce de magicien là. Donc on va tout défoncer les sbires. Comme d'habitude, histoire de prendre un maximum d'XP. Voilà. Donc là, on va avancer. Alors là, je vous jure que c'est sûr qu'ils ont mis des pièges. Oh, j'en suis sûr et certain. Ah non, c'est juste qu'il attendait dans sa base. Donc, on va essayer de reprendre un peu de vie et on va passer derrière. Tout en essayant d'être en dehors de l'arc. Je suis dans la merde. Ouf. Mais si je suis tout seul, je peux rien faire. Qu'est-ce que je peux faire? Là, là. Putain, je le loupe à chaque fois. Oh, ça me fait chier parce que il y a moyen que je les défonce tous, mais je loupe mon attaque en fait. Donc là, on va un petit peu plus vite parce que voilà, en fait, on n'a pas attaqué ni rien. On va essayer de reprendre son attaque là, et puis je vais essayer de le défoncer celui-là. Là. J'ai moins de vie que lui. Ça va être compliqué. En plus, mon attaque elle doit passer. Putain, non. Il met un coup de fusil à pompe là, il va me défoncer. On va rentrer vite fait chez nous là. Ça va prendre un maximum de points de vie. Donc là, vous allez voir, ça met encore un petit peu de temps. Alors, on a 3 puissances inutilisées. Donc, on va améliorer. Faire un peu plus de dégâts. Donc là, il me propose 13 de dégâts. Donc là, il me propose des manas. Je vais prendre 13 de dégâts. Bon, faut qu'on essaie de faire un peu mieux là. On n'a pas augmenté le niveau alors qu'ils ont pris au moins 2-3 niveaux. On va aller par là comme ils nous le proposent. Ils ont détruit notre tour.
entre une de nos tours. Alerte. C'est quoi tout ça? Ouais, bon, il y a un moyen. Ils sont deux. On va essayer de sbire ça. On va aller se battre. Donc là, on est deux aussi. Oh, ils sont trois. Donc moi, je vais mettre en plein milieu, lui, bien sûr. Essayer de faire un maximum de dégâts. Je l'ai touché. Il a rien pris du tout. Il m'a défoncé. Donc là, je fais une espèce de petite technique un peu spéciale. Je prends cher et je suis mort. Voilà, vous avez vu un petit... Un bref petit truc qu'on se fait défoncer en fait. On se fait bien niquer là. Et voilà, je suis obligé d'attendre 55 secondes. Putain, c'est chiant! C'est chiant d'attendre. C'est... Je sais pas. On va essayer de regarder ce qu'ils font les autres. Donc ça, c'est un de... Un mec qui joue avec nous en fait dans notre équipe. Faut qu'on détruit leur... Leur gros jouet dans leur... Dans leur... Dans leur camp, sinon on n'arrivera jamais à gagner. On est déjà à 27 minutes de jeu dans une partie et... Waouh. On se fait défoncer déjà. On se fait bien défoncer, hein. Ils ont encore détruit une de nos tours. Ouais, ils s'attaquent par le flanc droit. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut rien faire. En train de se faire battre là. Bon, je vais bientôt passer niveau 12. Pour augmenter une de mes 4 attaques. Ah, on va essayer d'aider. Passer niveau 13 là. Il a plus de mana, mais je sais pas si. Donc là, je récupère un maximum. On va rien pouvoir faire, on va essayer de passer par la jungle, histoire de le contourner et de le prendre par surprise. Non, il est pas là. On va les défoncer, on va essayer du moins. Ah, il m'enlève un maximum de vie quand même, hein. Putain, il m'enlève de la vie, hein. On va régénérer un petit peu. Ça va, on a aussi attaqué leur flanc droit. Ah, ils ont détruit une tourelle de plus que nous. Lui, il arrive à nous faire des dégâts. Lui. Putain, j'y arrive jamais. On va essayer de prendre le kill. C'est fou quand même. C'est un truc de ouf quoi. Je peux même pas. Je les défonce même pas quoi. Waouh, c'est fou quand même. On se fait totalement niquer quoi. C'est hallucinant. Voilà, je suis encore obligé d'attendre en fait. C'est le passage le plus chiant, c'est d'attendre, 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 d'attendre. C'est bien niqué quand même. Il y en a un qui a fait 18 kills et il est mort que 5 fois quand même. Il y en a, ils sont vraiment. Il y en a, ils ont du niveau quand même, je trouve. Donc on en a 4 non utilisés. On va faire un peu plus de dégâts. On va essayer. Donc là, on a tout amélioré. Et on va améliorer le mana. Allez, on y va. On est niveau 12, bientôt niveau 15. Enfin, j'espère. J'espère qu'on va gagner surtout. Ouais, donc on va les suivre. On va y aller en groupe. Enfin, je vais le suivre lui là-bas.
clic niveau 10, mais je le suive quand même. Donc là, en fait, ça c'est. Ah non, c'est la nôtre. Ok. Donc ça colle. Ok, ça collecte et après ça. Ok. Au niveau de la réduction du temps de recharge et les régénérations des énergies. D'accord. Donc là, comme vous voyez, c'est 145 secondes. Du coup, lui, on va essayer de se le faire si on se fait pas embêter. C'est un truc de ouf. Eh, c'est. Waouh, on dirait qu'ils arrivent à esquiver ce coup. Je suis en train de le défoncer. Voilà, on l'a défoncé. Hop là. Allez. Contre-attaque, on est là, on est en force. C'est de se donner à fond. Faut qu'on attaque sur le flanc. Okay. Bon, bah, je vais les suivre. En groupe, on est plus fort. Allez. Où est-ce qu'il va aller? Il va aller là. Il va être fini. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Il recule. On fait 160 de dégâts. On fait du dégât quand même. Hein. Yep, petite technique. Bam. Donc on a fait aucun kill, on a fait surtout des assistances. Donc on n'a même pas réussi à l'avoir. En fait on a pas de chance en fait, c'est ça le truc. J'ai pas de chance. C'est. Je sais pas. Je fais que des assistances, je suis à 9 assistances. J'ai pas de chance. C'est pas grave. Hein. C'est pour aider notre équipe. Donc là on est niveau 10, 10. On va améliorer ça. On va prendre les manas. Donc dans 32 secondes, c'est chaud quand même. Je déteste attendre. En fait, on a passé la majeure partie du temps à attendre. Au lieu du jeu, on dirait. C'est fou quand même. Il faut que je de réapparaître. Il y a des niveaux 14, 12. Je suis que niveau 12. J'ai pris qu'un niveau alors qu'ils sont tous pris au moins 5 niveaux. On avait une avance. C'est parce qu'on est mort 3 fois ça. Ils sont en train de nous déglinguer. Hein. Tous les sens du terme sont en train de nous déglinguer. Allez, on va bientôt passer niveau 13. Allez, allez, allez. Allez les gars, on y va, allez les sbires, on y va. Fallait les aider là au combat les gars. Je pense avoir tout misé sur l'attaque, je pensais que ça allait servir à quelque chose, donc je vais aider pour défoncer les sbires. On est passé à 160 de dégâts comme vous voyez. J'ai les sbires, comme ça eux ils vont nous aider. Hop là. Allez, on va attaquer là-bas. Et lui, on dirait qu'il subit aucun dégât. Hein. Donc, lui là, il subit aucun dégât, on dirait. Hein. Une bête. Bon, bah, je vais me faire défoncer, les gars. Et voilà, je suis mort. Je suis mort 8 fois. Je me suis fait défoncer 4 fois l'affilée. On va encore attendre 70 secondes. En fait, je suis nul. Le problème, c'est que je suis nul, en fait. C'est waouh. Je fais du 3-8. Bon, on est passé au moins niveau. On va pas se plaindre.
C'est chaud quand même, j'attends comme ça, c'est chaud. Donc, j'ai passé le temps d'attendre parce que voilà, c'est chiant en fait. Je peux vous montrer le temps d'attente et tout. Vous n'êtes pas là pour ça. Allez! D'accord, en fait, c'est pour qu'on capitule avant l'heure, en fait. Avant qu'ils nous défoncent, c'est pour qu'on capitule. Ok. Il y en a trois qui veulent capituler. C'est chaud quand même. Ils veulent capituler. Vous êtes sérieux, les gars? Oh non. Cette image des défaitistes. Donc, on a perdu. En fait, on a perdu. Voilà. Ils ont voulu capituler. Et 3 votes sur 5, c'est la majorité. On s'est fait défoncer, en fait. Donc voilà, on s'est fait défoncer. Donc je viens de vous montrer une défaite. Donc ouais, en fait, donc on va passer vite fait ça. On s'est bien fait niquer. On va pas regarder. Donc Paragon. Donc voilà. Grosse défaite. Donc, pack de cartes, oui, on gagne plein de trucs en fait à chaque fois. Donc on va continuer parce que voilà, en fait, je vais vous montrer mon profil. Donc voilà, je suis à 2h37 de jeu, j'ai fait 4 parties, j'ai un total de 3 victoires. Ça va. Bon, en fait, c'est un peu les sujets. Donc là, en fait, j'ai plein de cartes à ouvrir. Je pense pas que je. Ouais. En fait, on peut acheter des cartes, en fait, on peut acheter des packs de cartes. D'accord. Donc, il y a encore 14 packs à ouvrir, et honnêtement, ça va me faire un peu chier d'ouvrir tous les packs. Donc, là, en fait, c'est les caractéristiques des joueurs. Enfin, des persos qu'on peut utiliser dans le jeu. Donc, bah voilà, en fait, c'est sur ça que je vais vous laisser. Donc, je suis niveau 6, ça fait plaisir. C'est sur ça que je vais vous laisser, en fait. Donc, voilà, j'espère vous avoir bien présenté. Un peu tardivement ce jeu que je viens à peine de connaître en fait. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et je pense un peu m'entraîner. Un peu m'entraîner et vous faire un bon petit truc. Enfin, je sais pas si on peut le voir. Attends, je vais vous montrer un truc. Voilà. Ça en fait ça enregistre les parties en fait. Ça enregistre les parties. Donc là. Voilà. Donc là c'est la dernière partie qu'on vient de faire. Voilà, en fait, j'ai fait que 4 parties, en fait. Là, j'ai fait du 6-9 à la première partie. Là, j'ai fait du 21-4. Là, c'était en coop, donc j'ai fait une mauvaise partie. J'ai fait du 2-7. Et là, bon, j'ai fait la très très mauvaise partie avec vous, du 3-8. Donc, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Et puis, je vous dis à la prochaine, bah, pour une vidéo qui va... Une prochaine vidéo qui va... Enfin, voilà, je vais m'entraîner et une vidéo qui sortira bientôt, on va dire. C'est sur ça qu'on se laisse. Salut à tous et à toutes, c'était Fresh and Geek.